question de la semaine. Habitude retardataire au Bénin, votre avis? Ça arrive d'être souvent en retard, peut-être lorsqu'on ne se dort pas tôt ou bien lorsqu'on n'est pas assez conscient, assez responsable, conscient des tâches qui nous attendent et tout. Les gens sont souvent en retard, mais je vois que nous avons un problème d'éducation. C'est l'éducation. Et je peux dire, avec le retard, on ne peut rien faire. D'abord, c'est qu'on dit en français que l'habitude est une nature. D'abord, nous sommes plutôt habitués à être en retard. Les gens ont ce système. Les gens ont habituellement l'habitude de se réveiller tardivement. Ou bien ils sont bloqués dans les internautes là. Vous savez que les nuits, au lieu d'aller se coucher aussi vite là, ils sont bloqués dans les internautes et ils n'ont pas le temps de se coucher. Ils ne se couchent pas vite. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas au service à temps. Avant là, nos grands-parents là, quand ils veulent faire quelque chose à midi là, hein, c'est quand le soleil est au zénith qui est leur midi. Même quand ça balance vers 13h, 14h, c'est toujours midi pour eux. Comment nous sommes venus, ils nous ont mis au monde. Nous n'allons que suivre ce que les autres y font. C'est pourquoi l'heure est toujours restée élastique jusqu'à ce jour. Il faut réinscrire la morale dans l'éducation. Avec la morale, on peut corriger ça. Parce que celui qui est en retard, on ne peut pas faire confiance à celui-là. Vous voyez un peu. Et si on ne te fait pas confiance, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas évoluer. Par conséquent, c'est éduquer d'abord les enfants. Des bases, c'est-à-dire à la maison déjà à 18h, 19h, l'enfant mange. Au plus grand tard, à 20h, l'enfant est au lit. Sinon, 20h30, l'enfant est au lit. Et là, tu es sûr de le réveiller à 6h et il répond. Et déjà à 7h30, il est au bout. Quand on prend ces plaies-là à l'enfant, des bases, je crois que ça peut donner quelque chose peut-être à l'avenir. À notre temps-là, il y a tout. Nous avons de montres, nos parents n'avaient pas de montres. Nous avons de montres, nous avons de téléphone, nous avons de télévision, nous avons tout maintenant, pouvant nous orienter à une heure fixe. Il faut sévir. Moi, je regardais une vidéo une fois, c'était au Nigeria, et le patron avait fermé la porte de l'entreprise. Donc, commencer par faire ça, des contrôles plus pointus, plus accentués, de sorte que les gens soient plus... Ils se rendent compte que maintenant, il faut vite être à l'heure, sinon, il y a des peines qui s'en suivent. Des réunions données là. Quand vous dites d'être là à 16h là, les gens se portent à 18h. Comme d'habitude que c'est l'heure toujours élastique. Hein? Et ce qu'on est en train de bannir certaines réunions maintenant. C'est vraiment dommage parce que aujourd'hui ça a pris un élan qui ne dit pas son nom. Et si on essaie d'améliorer un peu, on trouve déjà que telle personne est dure. Ok, moi j'ai pris je commence par prendre cette habitude quand je te donne un programme ou si je te dis rendez-vous à tel moment. Si je viens, si 5 minutes après je te vois pas, même si tu viens après 5 minutes là, c'est annulé.